que je vais devenir ? Nelson, il a été licencié par Free. Il avait moins d'un an d'ancienneté. Il est ici sur ces images. Les prud'hommes ont jugé que son licenciement était abusif. Son employeur a été condamné à lui verser 6 mois de salaire. Et 6 mois de salaire, pour lui, c'était 10 800 euros. Avec le barème de votre réforme, combien il toucherait Nelson, pas en salaire, mais en nombre de mois d'indemnité? Ça dépend de l'ancienneté, ça dépend du motif. Parce que ça dépend comment le juge va apprécier le motif. S'il considère qu'il y a une discrimination... Vous n'avez pas une réponse un peu plus précise? Mais non, mais ça dépend, le juge garde sa pouvoir d'appréciation. Écoutez, nous, on a fait le calcul. Qu'est-ce que je vais devenir? Pour moi, il n'y a pas de baisse de CDI, bon. Et c'est le CDD, contrat qui est utilisé. Le CDD, et d'ailleurs, ne change au niveau, pas. Au niveau d'ailleurs, européen, c'est combien le CDD? On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Jusqu'à quoi? Non, mais combien? Madame El Khomri? Tout. Moi, je n'ai rien pris. Si. D'après ce qu'on a compris, il toucherait non pas 6 mois de salaire, mais 1 mois de salaire. Et 1 mois de salaire, ça veut dire que c'est 1 800 euros au lieu de 10 800 euros. Pourtant, son licenciement, il a bien été jugé abusif. C'est-à-dire qu'il a été accusé de fraude et les prud'hommes ont dit qu'il n'y a jamais eu fraude. Le plancher est à 3 mois, donc ce n'est pas possible. Pardon ? Le plancher est à 3 mois, c'est au moins 3 mois. S'il est une entreprise de plus de 11 salariés, ce qui est manifestement le cas. Donc il a au moins le plancher. Il a et après, moins le d'un juge an peut aller plus loin. Attendez, hein, il a moins d'un an d'ancienneté. Alors, oui, donc mais je pense pas. Je ah oui, pense c'est la moins d'un an d'ancienneté. Ah oui, je pense que s'il a moins d'un an d'ancienneté, ce qui va toucher au prud'homme, c'est 1 mois de salaire. D'accord. Qu'est-ce que je vais devenir? Un CDD. 3 fois? Vous êtes certaine de non, ça non, un CDD, dire, combien? Un CDD peut être requalifié en CDD. Un CDD. Pardon. Un oui, CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Qui c'est qui m'a mis ça dans mon pantalon? 1 mois au lieu de 6 mois, c'est-à-dire 1 800 si euros au lieu de 10 800 euros. Qu'il y a une discrimination et que donc le juge va apprécier le motif. C'est pas la loi qui fixe ça. Ça n'est discrimination ou pas discrimination, c'est un licenciement abusif. Donc on fait, si vous voulez, le cas de Nelson, licenciement abusif. Avant, il a touché 6 mois de salaire. Là, avec la refonte du code du travail par vous et par votre gouvernement, il touchera 1 mois de salaire. Peut-être dans son cas précis, mais vous regardez. Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que je vais devenir? Quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été requis. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. 2 fois. Il peut être renouvelé 2 fois. Depuis, savez-vous depuis quand? Depuis le mois d'août dernier, qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement. C'est possible. Myriam El Khomri. Oui. Bon, bah, je vous le dis, franchement. J'ai dit 3 fois et j'ai bien senti. Heure supplémentaire défiscalisée. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire.